souvent, on passe l'information spirituelle par le mental, par l'intellect. Et un ordre qui est très connu, et je pense mondialement, c'est l'ordre de la Rose-Croix. Ouais. J'ai avec moi le grand maître de l'ordre de la Rose-Croix. On pourrait dire chapitre francophone, parce que, étant donné qu'ils sont planétaires, ben, ils ont différentes obédiences. Et il y a le très grand, grand maître qu'on appelle le maître suprême. Ça vous rappelle quelque chose qu'on vient de voir dans le document? Ben oui, alors le maître suprême qui était passé sur l'émission à quelques jours de son intronisation, il s'appelle Christian Bernard, fils de Raymond Bernard. Alors, je ne sais pas, c'est une histoire de père en fils, là. On va essayer de faire la lumière sur tout cet aspect-là. Et aujourd'hui, ben, on a Serge Toussaint qui est avec nous. Bienvenue, Serge Toussaint, sur l'émission d'Ésotérisme expérimental. Merci de votre invitation. Comprenez, j'ai peut-être un petit peu un ton sarcastique, parce que tout ce qui semble coloré de secte, et puis de gourou, puis de maître, et de grand maître, comme vous êtes, et de suprême grand maître, ou comment vous l'appelez, le grand maître? L'impérator. L'impérator. Ça donne l'impression aussi de l'Empire romain, là. Oui, oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, et je le comprends. Disons que le problème, si vous voulez, c'est que quand on se reporte dans le temps, au début du XXe siècle, il n'y avait que trois organisations ésotériques majeures. Il y avait l'ordre de la Rose-Croix, l'ordre martiniste traditionnel et une certaine branche de la franc-maçonnerie. Et seules ces trois organisations pouvaient se réclamer véritablement d'une tradition initiatique et séculaire. Et malheureusement, eh bien, en pratiquement un siècle, ces trois organisations majeures donc, ont généré directement ou indirectement tout un tas de groupuscules, de sectes, de mouvements qui empruntent au symbolisme des véritables traditions, d'où cet amalgame grotesque. Mais voyez-vous, la hiérarchie, donc on pense aux papes, aux cardinaux, aux évêques et tous les autres. Vous êtes le grand maître de l'obédience francophone, et puis il y a un suprême grand maître, l'impérator. Oui. Ça fait gourou, ça fait carrément là, secte. Oui. Alors je crois que la différence, et je vous remercie de me poser la question, en fait ça me permet de définir la différence qui existe entre un ordre comme l'ordre de la Rose-Croix et une secte. Quand on prend le rapport Vivien, qui a été consacré aux sectes, que vous connaissez certainement, et dans lequel d'ailleurs l'ordre de la Rose-Croix ne figure pas parce qu'il n'est pas une secte, on constate que ce rapport Vivien, donc, est qu'est-ce un... Qu'est-ce que c'est? Le rapport Vivien, c'est un rapport qui porte le nom de M. Vivien, qui est celui qui a élaboré ce rapport sur les sectes et qui fait autorité, tout du moins en France. Oui, en France. Donc, c'est pour ça qu'ici, on n'en a pas eu l'écho. Là. Alors, que dit ce rapport en règle générale? Il dit une secte, c'est quoi? C'est une organisation dirigée par un gourou qui possède le savoir, qui s'est autoproclamé à vie. Un peu comme le grand impérator, comment ça marche? Non, je vais vous expliquer après. Voilà. Le deuxième point, dans une secte, eh bien, on demande aux adeptes de la secte de se couper, parce que le mot secte vient du mot latin sectari, qui veut dire se couper. Donc on demande aux adeptes de la secte de se couper de la famille, de se couper du milieu familial, donc social et professionnel. Ensuite, le troisième critère, vous le savez très bien, malheureusement, dans une secte, on demande aux adeptes de donner tout leur bien matériel au gourou de la secte. Ça, c'est la définition même d'une secte. Et elle est tout à fait exacte. Et nous-mêmes, en tant qu'ordre, nous luttons contre les sectes. Vous ne demandez pas de l'argent, vous ne demandez pas de... Je vais reprendre les trois parallèles. Ouais. Dans un ordre comme le nôtre, c'est vrai qu'il y a un grand maître. Mais le grand maître n'est pas autoproclamé, il est nommé. En plus, il est nommé non pas à vie, mais pour une période de 4 ans. Par qui? Eh bien, par l'ensemble des autres grands maîtres, et il y a évidemment une influence des membres. C'est-à-dire que, par exemple, je suis grand maître de la juridiction française. Bon, j'ai été nommé... Avant vous, c'était Christian Bernard, voilà, qui était le fils direct de Raymond Bernard, qui était, lui, le grand impérator. Non, il n'était pas grand impérator. Si vous voulez, l'ordre est divisé en juridictions de langue. Oui. Donc, il y a une juridiction de langue française, une juridiction de langue anglaise, une juridiction de langue italienne, une juridiction de langue allemande, et chaque juridiction est dirigée par, effectivement, un grand maître. Mais, si vous voulez, c'est une fonction, en quelque sorte, de service. C'est-à-dire que moi, Serge Toussaint, si, par exemple, dans 5 ans, mon mandat n'est pas renouvelé parce que les membres considèrent que je fais mal mon travail de grand maître, je ne serai plus grand maître. Et je vous dirais, je m'en porterai même mieux. Parce que j'ai une nature très solitaire. En règle générale, je n'aime pas devoir, justement, parler en public. J'ai horreur des voyages. Et du fait que je sois grand maître, voyez, depuis 3 ans, je suis obligé de faire tout ce dont j'ai horreur. Et je peux même aller plus loin. C'est très bon dans la voie initiatique. Et oui, ça fait évoluer. Et je peux même vous dire... Et c'est vrai qu'aucun des grands maîtres de l'ordre de la Rose-Croix n'ont voulu être grand maître.
à la différence des fondateurs de sectes qui, eux, veulent l'être pour avoir le pouvoir. Et maintenant, leur secte n'existerait pas si eux n'étaient pas là. D'ailleurs, vous prenez une secte, vous supprimez le fondateur de la secte, il n'y a plus de secte. Or, dans un ordre comme le nôtre, vous remplacez le grand-mais, ça ne change rien, puisque l'ordre est une structure millénaire. Millénaire. La tradition rosicrucienne remonte aux écoles de mystère de l'Égypte antique. Maintenant, au niveau donc... Attendez, est-ce que ça vous a été transmis de droit ou c'est vous qui en êtes approprié cette... Non, cette si vous voulez, mais je voudrais quand même finir sur l'aspect des sectes. Oui, donc un adepte d'une secte, on lui demande de se couper. Les rosicruciens, au contraire, on leur demande de s'impliquer pleinement dans la vie sociale et professionnelle, de mettre leurs connaissances au service d'autrui. C'est une voie de service et on leur demande de préserver ce qui à nos yeux est le plus grand joyau, à savoir la famille. Enfin, le troisième point, c'est vrai qu'on demande aux rosicruciens une participation financière parce que, si vous voulez, l'enseignement rosicrucien depuis 1909 est écrit. Avant 1909, il se transmettait uniquement de bouche à oreille. Donc, comme il est écrit, ça veut dire qu'on est obligé d'imprimer des documents et de les envoyer. Donc, on demande à chaque rosicrucien une participation financière qui est d'environ 1100 francs français par an. Là, vous êtes au Québec. Ça représente quoi, un Québécois? Ah, il faudrait demander la conversion en dollars, je ne connais pas bien. Oui. Je crois que c'est autour de 300 dollars. 300 dollars par an. Donc, pour recevoir en échange un enseignement écrit qui se présente sous forme de 4 livres par mois. Donc, vous voyez que ce n'est... 4 livres. Oui, 4 fascicules par mois. Donc, plus une revue Rose-Croix tous les 3 mois. Donc, vous voyez que sur le plan financier, vraiment, les choses sont parfaitement raisonnables. Hein. Oui. Ça, c'était donc pour faire la distinction. Pour en venir à la tradition rosicrucienne, effectivement, tous les historiens savent, maintenant c'est reconnu, que dans l'Égypte antique, il existait des écoles de mystère qui étaient dirigées par les pharaons. Dans ces écoles de mystère, on étudiait, comme leur nom l'indique, les mystères de l'univers, les mystères de la nature et les mystères de l'homme. D'ailleurs, les pharaons eux-mêmes étaient les dirigeants des écoles de mystère. Et contrairement, Moïse était passé par les écoles du mystère. Bien sûr. C'est là qu'il a acquis certaines connaissances, certains pouvoirs. Et c'est pour ça qu'il a pu faire face au fameux magicien du pharaon, parce qu'il était de la même école. Hein. Il était passé par là, lui aussi, Moïse. Bien sûr, Moïse était un initié aux écoles de mystère de l'Égypte antique, bien sûr. Et donc, d'ailleurs, les historiens pensent à tort, par exemple, hein, que les grandes pyramides du Caire étaient des tombeaux. En réalité, nous, rosicruciens, nous affirmons depuis des siècles que c'était plutôt des lieux d'initiation et d'instruction. Oui. Voyez. Bon, donc, si vous voulez, dans ces écoles de mystère de l'Égypte antique, il y avait des adeptes de la connaissance qui se réunissaient. Et puis finalement, vous savez très bien, en allant très vite, qu'il y a des philosophes grecs, comme Pythagore et Thalès, qui sont allés étudier en Égypte pendant 30 ans. De retour chez eux en Grèce, ils ont fondé à leur tour une école. Oui. Ensuite, il y a des philosophes de la Grèce antique qui sont allés dans la Rome antique, qui à leur tour ont construit des écoles. Et puis vous voyez, c'est tout un héritage donc d'école de mystère en école de mystère qui s'est perpétué après la Rome antique dans l'Europe du Moyen-Âge, par l'intermédiaire des alchimistes et puis des templiers, et puis parmi les penseurs de la Renaissance, Léonard de Vinci, et rosicrucien. Et puis finalement, le relais a été pris par les spiritualistes de l'époque moderne. Donc, vous voyez, l'héritage spirituel et culturel de la Rose-Croix aujourd'hui est un héritage très ancien. Ce n'est pas l'œuvre d'un individu, comme c'est le cas dans une secte. C'est un héritage de connaissances qui s'est transmis d'une façon ininterrompue à travers le temps, d'école de mystère en école de mystère. Donc, l'ordre de la Rose-Croix aujourd'hui est une école de mystère. De l'époque moderne. Est-ce que c'est une école spirituelle, spiritualiste? Moi, je pense tout de suite, là, les francs-maçons. Bon, on a l'impression que les francs-maçons qui étaient dans la Révolution américaine, dans la Révolution française, c'est plus d'ordre presque politique. Bon. La Scientologie, qui est une société qui se dit aussi associée à des enseignements qui remontent à la nuit des temps, puis la fameuse épée Excalibur et tout le reste, là, oui. Vous savez, le Ron Hubbard, qui n'est pas vraiment le gourou, mais qui a été celui qui a été le moyen pour faire connaître l'information de la Scientologie. Puis ici, au Québec, la Scientologie, hein, c'est... Le gouvernement a mis la patte dessus par leur méthode de prendre des gens. Chez vous, il n'y a pas de scandale, à vrai dire. Ben, nous n'avons pas ce problème-là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'ordre n'est ni une secte, comme je viens de l'expliquer. L'ordre n'est pas une religion. Et l'ordre est totalement apolitique. L'ordre n'est pas une religion. Pourquoi? Parce que précisément, il y a parmi des rosicruciens des personnes qui appartiennent à toutes les confessions religieuses. Il y a des rosicruciens chrétiens.
Il y a des rosicruciens bouddhistes, des rosicruciens musulmans, des rosicruciens juifs et même des rosicruciens qui n'ont pas de religion particulière. Donc vous voyez, ça ne peut pas être une religion. Ou alors, ça voudrait dire que c'est la religion des religions, ce qui serait beau. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas une religion? Parce que malgré tout le respect que j'ai pour les religions, un ordre comme l'ordre de la Rose-Croix est plus une voie de connaissance plutôt qu'une voie de croyance. En général, les religions sont des voies de croyance, c'est-à-dire qu'on va demander aux fidèles de croire en l'exemple qui a été donné par le fondateur de la religion. Ou en l'exemple, ou dans les enseignements, les connaissances, bien sûr, bien sûr. Alors que si vous voulez, dans un ordre comme le nôtre, c'est plus, à mon avis, un accès à une certaine forme de connaissance. Et l'ordre de la Rose-Croix est totalement apolitique, c'est-à-dire que nous nous interdisons toute discussion ou toute activité d'ordre politique. Ce qui m'étonne dans votre propos, c'est que Rose-Croix, la croix, ça fait tout de suite référence au Christ. Oui. On a l'impression, en tout cas, croix dit Christ. Bien sûr, ben là je vous remercie de me poser la question. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, la croix existait des millénaires avant l'Église chrétienne. Oui, d'ailleurs, celle qu'on retrouve sur votre symbole, c'est une croix en C. Oui. Qui rappelle la croix égyptienne. Bien sûr, mais même la croix que l'on appelle croix latine, ouais, elle existait des millénaires avant l'ère chrétienne, elle existait dans toutes les plus grandes civilisations du monde, sous une forme ou sous une autre, et effectivement, l'Église chrétienne, à un moment donné, s'est en quelque sorte, je le dis gentiment, appropriée la croix. Ce qui fait que maintenant, quand on voit un symbole avec une croix, on pense que c'est chrétien à tort. Mais encore une fois, la croix existait bien des siècles avant l'ère chrétienne, et le symbole de la rose-croix, effectivement, c'est une rose au centre d'une croix. La croix représente le corps physique de l'homme et par extension le monde matériel. Et la rose au centre représente l'âme de l'homme et par extension le monde spirituel. C'est-à-dire que la rose-croix est à mon avis l'un des plus beaux symboles de la dualité de l'homme, quand on admet qu'il est corps et âme, et de la dualité du monde matériel et immatériel. Vous voyez, c'est un symbole de dualité qui n'est pas donc religieux. Quel est le but? Le but de quoi? De la Rose-Croix. Vous entrez dans la Rose-Croix, pourquoi? Pour avoir accès à une certaine forme de connaissance. Je pense, si vous voulez, que... Ah, il n'y a pas de diplôme au bout de l'année? Non. Parce que les connaissances... Si, un diplôme, la maîtrise de la vie, quand on arrive à l'acquérir, mais à mon avis, il faut plus d'une incarnation pour ça. Tout simplement pour accéder à une certaine forme de connaissance pour soi-même et pour autrui. Alors, vous savez, je pense franchement qu'aucun être humain de cette planète ne s'est jamais demandé « Eh bien, qui suis-je ? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Est-ce qu'il y avait une vie avant la vie? Est-ce qu'il y aura une vie après la mort? » À mon avis, ce sont des questions fondamentales que tout être humain se pose. Eh bien, ça fait partie, entre autres, des nombreux sujets traités dans les enseignements rosicruciens. Et je pense que quand on comprend mieux ce qu'est notre destinée, on est quand même plus heureux. Vous savez, c'est quoi le bonheur, d'un point de vue philosophique? C'est un équilibre, à mon avis, entre la satisfaction de nos besoins physiques, matériels, et la satisfaction de nos aspirations spirituelles. C'est un équilibre entre les deux. Quelqu'un qui, à mon avis, ne vit que pour et par le monde matériel, sans jamais regarder vers le monde spirituel, ne peut pas être heureux. Inversement, quelqu'un qui ne penserait qu'à la spiritualité et qui négligerait totalement les besoins du corps serait également dans l'erreur. Donc je crois que le bonheur, c'est un équilibre parfait entre les deux. Est-ce que... Il faut être ci ou ça. Est-ce qu'il faut être, je vous pose la question parce qu'on vient d'en parler il y a quelques minutes avec les autres invités, est-ce qu'il faut être végétarien? Non, il n'y a pas de dogme dans l'ordre. On ne demande pas à un rosicrucien d'être végétarien, de ne plus fumer, de ne pas boire d'alcool. Chaque rosicrucien a accès à une connaissance millénaire. À partir de ce moment-là, il vit comme il a envie de vivre. Mais plus il apprend, plus il devient conscient. Oui. Est-ce que graduellement, il ne fait pas des choix qui vont de soi? Bien sûr que si. Bon, si on prend l'exemple du tabac. Il est évident que quelqu'un qui fume trop s'abîme la santé. Donc, à un moment donné, un rosicrucien, en étudiant par exemple le sixième degré du temple, dans lequel on étudie justement la santé et l'origine des maladies et la manière de soulager certaines maladies, normalement, quelqu'un qui fume trop, à ce moment-là, il va prendre conscience, si ce n'est déjà fait, qu'il vaut mieux moins fumer. Mais ça ne vient jamais, si vous voulez, en tant que dogme de la part des autorités de l'ordre. On ne donne jamais d'instructions. Ne fumez plus, ne buvez pas d'alcool, faites abstinence, soyez végétarien, ce n'est pas notre propos. Vous savez, l'ordre est une grande école de liberté à ce niveau-là. Et de transmission d'informations, point. Non, transmission d'un enseignement, comme je vous l'ai dit, millénaire, qui s'échelonne sur 12 degrés, qu'on appelle le degré du temple, et chaque degré consacré à l'étude de thèmes majeurs de l'ontologie rosicrucienne, c'est-à-dire de la science rosicrucienne dans le véritable
sens du mot science. Malheureusement, il ne reste plus beaucoup de temps dans l'émission d'aujourd'hui. Moi, j'aimerais vous inviter la semaine prochaine pour une émission où on passerait une heure à aborder ces fameux 12 degrés, vous dites? 12 degrés du temple, oui. Ça vous convient? Oh, ce sera avec plaisir, oui. Bon, ben alors, c'est un rendez-vous encore la semaine prochaine. Mais là, on ira plus du côté philosophique. D'accord. Connaissances. Quelles sont ces fameuses connaissances? Parce D'accord. que c'est un grand mystère. Mais aujourd'hui, on va s'en tenir, malheureusement, qu'à l'aspect extérieur un peu. Là. Mm-hmm. Et dans l'aspect extérieur, ben, il y a un aspect dommage, je pense. On a entendu parler de l'ordre du temple solaire. Oui. Docteur Luc Jouret, que nous avons reçu ici sur l'émission à quelques reprises, qu'on a trouvé d'une très grande intelligence, très grande compétence en homéopathie en particulier. Mm-hmm. Bon, ils avaient utilisé la croix et la oui. rose, oui. et puis ils ont utilisé oui. le terme même rose-croix. Hein. Oui. Est-ce qu'ils sont réellement, légitimement affiliés à votre ordre? Bien sûr que non. J'ai moi-même été effaré hein, de cette histoire pour plusieurs raisons d'abord. D'abord parce qu'il y a eu des morts, des victimes, donc c'est quand même dramatique. Puis deuxièmement, eh bien, c'est tout à fait le genre de secte qui discrédite les véritables organisations traditionnelles. Parce qu'en France, j'ai vu le reportage sur l'ordre du Temple solaire, il est vrai qu'il y avait une rose croix. Mais j'étais très étonné, notamment au Québec, que nombre de journalistes, comme si c'était voulu, et je pense que c'était voulu par certains d'entre eux, fassent l'amalgame systématique entre l'ordre de la Rose-Croix à Morc et l'ordre du Temple solaire. Probablement parce que ça arrangeait certains d'entre eux. Alors, bien sûr que j'ai vu la Rose-Croix dans ce film, mais j'ai vu également Jésus, j'ai vu une statue de Marie, j'ai vu un symbole judéo-chrétien, j'ai vu le symbole de la franc-maçonnerie, j'ai vu un symbole musulman. Alors, expliquez-moi par quel hasard systématiquement, on a fait donc l'amalgame avec l'ordre de la Rose-Croix et pas avec le christianisme, pas avec le judaïsme, pas avec l'islam, pas avec la franc-maçonnerie. Avouez que c'est quand même curieux. Alors, il est évident qu'il n'y a aucun lien, il n'y en a jamais eu. Monsieur Luc Jouret, je ne connaissais pas. Et c'est exactement l'exemple même, voyez, de secte qui va puiser dans l'héritage traditionnel des véritables organisations, donc ils vont en quelque sorte voler leurs symboles, voler une petite partie de leurs enseignements, voler même leur phraséologie, prendre des mots percutants comme Rose-Croix, comme Christian Rosenkreuz, faire tout un amalgame pour vendre de l'illusion. Et vous me parlez de M. Jouret, eh bien, je pense quand même que quelque part, c'était quelqu'un d'un petit peu déséquilibré. Le cardinal de Montréal, d'ailleurs, a fait une sortie en disant s'il fallait qu'on récupère des droits d'auteur pour toutes les sectes et les mouvements nouvel-âgistes qui s'approprient des informations, des connaissances oui. dans l'Église catholique, il dit, hein, on remplirait nos goussets parce qu'effectivement, donc ce serait... Ce qui est vrai pour l'Église catholique l'est également pour la Rose-Croix en matière de mouvement, entre guillemets, nouvel âge. Parce que oui. pratiquement, je vous assure, 90% au moins des mouvements nouvel âge ont été fondés par très souvent d'anciens membres de l'ordre de la Rose-Croix. Oui, c'est vous savez, ça. Ils ont été chercher l'information dont on parlera la semaine Mais oui, prochaine. Parce que notre ordre est une école de liberté. Ça veut dire qu'on peut devenir membre de l'ordre quand on veut et on peut quitter l'ordre quand on le veut. Alors il y a des gens plus ou moins honnêtes qui vont devenir membres de la Rose-Croix, qui vont étudier pendant quelque temps et qui après se sentant investis d'une mission ou bien étant animés par des buts très mercantiles, c'est souvent le cas, vont créer leur propre mouvement. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut rien faire malheureusement. Et il faut encore préciser que cet enseignement, vous le recevez chez vous par la poste. Vous n'avez pas à vous rendre dans un temple, dans un endroit, puis il faut faire des petites cérémonies, ou là, ça se fait chez vous. Non, disons que, si vous voulez, quelqu'un qui est rosicrucien reçoit l'enseignement écrit chez lui, d'une façon totalement confidentielle. Si par contre, il veut rencontrer d'autres rosicruciens, la possibilité lui est donnée de le faire en se rendant dans des groupes locaux. Alors dans ces groupes locaux, eh bien, ce sont des rosicruciens qui vont se réunir au nom de la fraternité qu'ils forment, qui vont étudier ou parler ensemble de la philosophie. Voilà, ça s'arrête là. D'ailleurs, il y a un local à Montréal rosicrucien qui a pignon sur rue, qui ne se cache pas du tout d'exister, qui abrite même dans ses locaux une librairie ouverte au public, qui a un auditorium également ouvert au public. Donc vous voyez, à ce niveau-là, il n'y a absolument aucun mystère, entre guillemets. D'ailleurs, on voit le numéro de téléphone sous votre nom, là, le 596-1686, qui se trouve être le numéro du Centre culturel Rose-Croix, mm-hmm. dans la région de Montréal. Et la librairie dont vous me parlez, bien, je vais donner l'adresse. La connaissez-vous, vous qui venez de France? Non, 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 je crois que c'est rue Papineau, mais je ne suis pas sûr. Oui, c'est bien ça. Alors, 50-30 rue Papineau. 50-30 rue Papineau.
Et c'est aussi le centre de diffusion Rose-Croix, où c'est une librairie où il n'y a pas que des livres, là, Rose-Croix. Non, non, justement, dans cette librairie, nous avons voulu, si vous voulez, dans tout cet étalage de Nouvel Âge, où tout le monde écrit et dit n'importe quoi sur n'importe quel sujet, hein, les chakras, les auras, enfin, tout ça, c'est à la mode, c'est une mode d'ailleurs qui passera. Pour ne retenir que le meilleur, on a voulu justement ouvrir une librairie où les ouvrages sont quand même assez sélectionnés. Mais ils ne sont pas du tout rosicruciens, mais c'est pour permettre aux véritables chercheurs qui s'intéressent par exemple effectivement à ces sujets d'études d'avoir accès à des ouvrages relativement sérieux par rapport à tout ce qui se fait ailleurs. Est-ce que justement il y a des ouvrages disponible pour celui qui n'est pas rosicrucien, parce que si vous nous parliez de 300$ par année pour recevoir quelques monographies par mois, est-ce qu'il y a des livres là, qui sont quand même sur les tablettes des librairies? Oui, 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 il y a. Disons qu'il y a, il y a un endroit où il y a des livres qui ont été écrits par des rosicruciens, mais attention, qui ne représentent pas l'enseignement officiel de l'ordre, car l'enseignement officiel de l'ordre a toujours été transmis depuis 1909 sous forme de manuscrits totalement confidentiels. C'est très important. Mais il y a des ouvrages, par exemple l'Impérator a écrit un livre dernièrement qui est très intéressant pour celui qui va avoir une idée générale de la philosophie rosicrucienne qui s'appelle « Qu'il en soit ainsi ». Dans quelques temps, nous allons publier la trilogie Rose-Croix qui sera en vente au public. Voyez. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la trilogie Rose-Croix? Les textes majeurs qui attestent de l'authenticité historique de la Rose-Croix à Morques. Parce que justement, en raison de cet amalgame, eh bien, on a pensé qu'il était bien de prouver, ben oui, d'apporter la preuve historique comme quoi la Rose-Croix à Morques ne date pas d'hier. Oui, hein? Bien d'avant-hier et même d'avant-hier. Et même d'avant-avant-hier. Hein? C'est un mouvement très, très ancien. Oui, donc il faut, dans cet amalgame que je comprends les gens qui se posent des questions, même quand ils voient Ordre de la Rose-Croix à Morques, il y a tellement de sectes actuellement que je comprends qu'ils soient un petit peu perdus. Et je vous remercie très sincèrement de nous donner justement la possibilité d'expliquer ce que l'on est et ce que l'on n'est pas. J'espère que ça va aider un petit peu les gens à, non pas devenir rosicruciens, parce que l'ordre ne fait jamais de prosélytisme, mais à mieux comprendre justement où se situent les choses de valeur et où se situent les choses qu'il faut quand même écarter. Oui, remarquez qu'ici sur l'émission, c'est toujours fait un devoir de présenter toute personne qui fait une démarche dans le domaine spirituel, dans le domaine de la conscience, de l'évolution. Une émission sérieuse alors. Pas toujours, malheureusement. Non, je dois vous dire que ce n'est pas toujours de même niveau. Oui. Et même des fois, dans une même émission, on peut recevoir un style d'invité et un autre. Et c'est au public de faire du discernement, hein, j'espère. Alors, on n'est pas ici pour prôner une vérité ou imposer aux gens une démarche. Là, c'est une ouverture. Voilà, c'est bien, c'est bien. C'est ça. Et à ce titre-là, ben, je pourrais vous dire que pendant un an, à préparatif d'un gros congrès international qui a eu lieu, c'était régulier qu'on avait des gens qui faisaient une capsule sur le livre d'Urantia. Hein, vous avez sans doute entendu parler de la cosmogonie d'Urantia, traduite par Jacques Weiss, un français. Oui, oui, j'ai entendu parler, mais je ne suis pas du tout un spécialiste. Non, mais vous avez aussi une cosmogonie de la Rose-Croix. Est-ce que ça vient de chez vous, ça? Non, parce que, en fait, comme je vous l'ai dit, au début du siècle, il y avait donc un ordre de la Rose-Croix, mais cet ordre a donné naissance, disons, à trois organisations rosicruciennes majeures. Est-ce que vous pouvez les nommer pour que, justement, on fasse la distinction? Écoutez, je crois, bon, la Rose-Croix à Morques, c'est sûr, puisque j'en suis le grand maître, donc je connais bien. Il doit y avoir la Rose-Croix d'or, si ma mémoire est bonne. Oui. Et il y a une autre Rose-Croix. Bon, il y en a un de Handel et il y en a un de Christian Rosenkreuz. Lequel des deux? Non, non, Christian Rosenkreuz, non, c'est autre chose. Il y a la Rose-Croix de Max Handel, vous avez raison, et la Rose-Croix d'or. Alors, d'après ce que je sais, mais je n'aime... Et Christian Rosenkreuz, il est qui? Mais je vais en parler après. Je vais en parler après, parce que ce n'est pas une organisation, Christian Rosenkreuz. Non, mais ça ne passait pas par vous, ça? Non, non, mais justement, je vais expliquer. Bon, d'accord. Donc, pour les deux autres organisations rosicruciennes que je ne connais pas, je sais qu'elles ont plutôt un statut de religion. Si ma mémoire est bonne, elles sont ouvertes uniquement, je crois, aux catholiques. Par rapport à ce que vous me disiez tout à l'heure, je crois qu'il y a des contraintes au niveau justement du végétarisme ou autre. Il n'y a pas non plus d'enseignement traditionnel, d'après ce que je sais, puisque les membres de ces églises rosicruciennes vont plutôt lire les livres qui ont été écrits. Vous voyez, il n'y a pas les livres qui ont été écrits par les responsables. Il n'y a pas vraiment un enseignement indépendant des responsables. Et vous êtes église, car je crois que dans le cas de... Rose-Croix d'or, je pense qu'ils ont même leur lettre patente comme église, oui, ici au Québec. Tandis que nous, non, voyez-nous, l'ordre de la Rose-Croix à Morques, je pense, hein, évidemment, vous pourriez me dire, vous n'allez pas dire le contraire, je pense que c'est l'expression la plus ancienne de la tradition rosicrucienne, et justement, ce n'est pas une religion, comme je l'ai expliqué.
Ce n'est pas une religion. Maintenant, Christian Rosenkreuz, ben oui, c'était un personnage légendaire. Oui, car parce que Rosenkreuz, ça le dit, hein, c'était un personnage légendaire. Et si vous voulez, l'ordre de la Rose-Croix à Mork a toujours fonctionné par cycle de 108 ans. Pendant 108 ans, il était actif, et pendant 108 ans, il était en sommeil, pendant 108 ans, il était à nouveau actif. Et d'un point de vue allégorique, quand l'ordre de la Rose-Croix devait redevenir actif, on disait que quelque part, on avait trouvé un tombeau dans lequel se trouvait le corps de Christian Rosenkreuz. Et ça, c'était allégorique, et ça voulait dire qu'on ouvre le tombeau, c'est-à-dire qu'on fait ressurgir l'ordre pour 108 ans. Une résurrection. Une résurgence, une résurrection. C'est ça. Le 108, ça correspond à quoi ? Ben, 108, d'abord, en réduction théosophique, ça fait 9. Oui. 9, c'est le cycle parfait. Et 108 ans, c'est une durée qui a été choisie pour permettre à l'ordre, en quelque sorte, de se ressourcer, de refaire le point sur ses connaissances, voir, si vous voulez, de recentrer un petit peu ce qui a été, à force de contact public, un petit peu dénaturé. Donc, vous voyez, c'était une mesure très importante, et même à une certaine époque, eh bien, c'était voulu pour préserver les Rosicruciens des persécutions religieuses et politiques. Parce que vous savez, les Rose-Croix n'ont pas toujours été dûment acceptés et tolérés. Ouais, vous l'avez soulevé tantôt, c'est qu'ici même au Québec, hein, on fait face à une société religieuse très solidement établie et qui n'aime pas la participation. Peut-être s'attaque plus à ceux qui leur font le plus peur. Oui. Les fantaisistes et les clowns du Nouvel Âge, ça les dérange mais pas. Mais vous avez tout à fait raison. La nature humaine est telle qu'elle a peur de l'inconnu. Alors j'invite, moi, tous les responsables religieux de toutes les religions, je les invite à un débat. Et ces responsables verront qu'ils n'ont rien à craindre de la Rose-Croix. Je vous assure, il y a des Rosicruciens chrétiens qui, en étant membres de la Rose-Croix, ont mieux compris encore et soutiennent davantage encore le christianisme dont ils sont issus. Donc il n'y a pas d'incompatibilité à ce niveau-là. Acceptez-vous pour la semaine prochaine que je reçoive ici quelqu'un qui peut-être fera la défense du christianisme ou d'une vision très, très élevée quand même d'un Jésus-Christ? Mais au contraire, justement, ouais, ça va permettre de montrer qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Bravo. Alors, je voulais vous demander, 108 ans, ça fait combien d'années que vous êtes exotérique ou que vous êtes... Écoutez, dans la juridiction française... Il reste combien de temps à pouvoir parler comme ça en public des Rose-Croix, hein? Eh bien, dans la juridiction française, si ma mémoire est bonne, parce que je n'ai pas malheureusement la mémoire des dates et des chiffres, mais disons que dans la juridiction française, l'ordre a redémarré en 1949, je crois. Ah, c'est tout récent. Ah oui, la résurgence. Hein. Oh oui, oh la oui. résurgence. Avant, c'était occulté. C'était en sommeil. Avant, l'ordre était actif, par exemple, en Allemagne ou dans d'autres pays, en URSS, dans l'ancienne URSS. Oui, il était très actif. Mais vous voyez, il y a toujours eu des cycles qui faisaient que l'ordre de la Rose-Croix était actif dans certains pays et en sommeil dans d'autres. C'est pour ça que je vous parle là de la France et de la juridiction française en général. Je pense que c'est un complément qui se devait être fait pour les gens qui font une démarche. Et peut-être que des gens se demandent des fois si Richard Glenn recommande. Puis je dois vous dire qu'un jeune homme du Québec, qui aujourd'hui est devenu un adulte, puisque l'émission existe depuis 20 ans, m'avait téléphoné un jour sur la ligne ouverte en me demandant, Richard Glenn, est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce que je devrais lire ou dans quelle organisation je devrais m'en aller pour vraiment évoluer dans l'ésotérisme, dans la prise de conscience sociale. Mm-hmm. Et il l'avoue encore aujourd'hui. C'est suite à une recommandation que je lui avais faite de visiter l'ordre de la Rose-Croix. Il y est entré, il y est toujours. Et c'est Raphaël Payeur, qui est un bonhomme exceptionnellement intéressant. Et je dois vous dire que les fruits, on dit toujours, on juge l'arbre d'après les fruits. Hein? Oui. Et on n'a qu'à regarder ce qu'il fait, ce qu'il produit aujourd'hui. C'est, je pense, la preuve vivante de la qualité de la démarche que vous faites faire à vos adeptes. Merci encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Serge Toussaint. Merci beaucoup. Alors, à la semaine prochaine. Aucun problème, à la semaine prochaine. Bravo. Il y a le complément, l'émission Ésotérisme expérimental, la conférence le premier et le troisième dimanche de chaque mois. Et pour dimanche, le 21 mai prochain, donc dimanche prochain, j'ai comme invité M. Élie Leluce, qui nous parle de « Vivez mieux en connaissant vos vies antérieures ». Alors, Élie Leluce, médium, nous apprendra les différentes techniques qui nous permettent d'entrer en relation avec les connaissances acquises dans nos vies antérieures. Évidemment, ça suppose une croyance à la réincarnation. Pour plus d'informations, vous communiquez dans le 514 à 467-5606.
416-7-5606. Cette conférence aura lieu comme à l'habitude au Cégep Maisonneuve à Montréal, métro P9. Et la semaine prochaine? Autant dans le christianisme que dans le chamanisme, la primauté est accordée aux problèmes qui sont vécus. Tandis que dans l'ordre des Rose-Croix, on sent qu'il y a tout un monde transcendant, un monde de connaissances, un monde d'idéal, et il faut cheminer vers ce monde-là. Tandis que dans le chamanisme, on s'intéresse aux problèmes. C'est deux mouvements inverses. Okay. Par contre, il peut y avoir des synthèses. Je ne comprends pas votre démarche à ce niveau-là, parce que vous dites qu'il ne faut pas s'ouvrir l'esprit, mais plutôt régler les problèmes. Moi, je dirais qu'au contraire, pour régler les problèmes, il faut s'ouvrir l'esprit et s'ouvrir le cœur. Je ne vois pas en quoi les deux choses sont incompatibles. Bonne semaine.